Des Olympiades se sont déroulées au complexe sportif de Bousset, organisé par le foyer des Hautes Roches de Bousset. L'occasion pour ces jeunes sportifs de se confronter sportivement et amicalement lors de cette compétition. Recherche de résultats sportifs, mais surtout de convivialité. Le foyer des Hautes Roches de Bousset, association de soutien aux familles d'enfants et adultes inadaptés, accueillant 14 personnes en internat, deux accueils jour et une chambre d'accueil temporaire. Donc c'est un foyer de vie qui accueille des adultes handicapés et donc le premier foyer a ouvert en 1995. Et donc le foyer des Hautes Roches actuel date de 2012. C'est un peu ouvert à tout le monde quand même ou... Bah pas trop, enfin il faut une notification MDPH quand même pour avec l'orientation foyer de vie inscrite dessus. Qu'est-ce que vous y faites là-bas un petit peu au niveau animation, au niveau cadre de vie? Alors on est sur du projet éducatif avec principalement des activités à but éducatif pour maintenir les acquis de la personne. Et puis bah, tout ce qui est quotidien de vie, c'est le lieu de vie des personnes. C'est le lieu de vie des personnes. Alors pour animer tout ça, il y a aussi, je dirais, des superbes Olympiades. Il y a les superbes Olympiades, donc c'est la première année qui sont organisées sous une ampleur pareille. Donc ça regroupe cette année 5 établissements et ça fait 3 ans que c'était organisé uniquement au sein du foyer Les Hautes Roches, avec que l'établissement en fait à faire leurs propres Olympiades comme ça. Et puis l'équipe éducative emmenée par M. Kosek a développé sur... en regroupant avec 5 autres établissements du territoire. Qui sont ? Alors, qui sont la ferme des Mauges à Rousset, donc dans le Maine-et-Loire, le SAJ de Montaigu, donc service d'accueil de jour de Montaigu en Vendée, le multi-accueil de Valette, Loire-Atlantique, et l'IME de Valette en Loire-Atlantique, plus nous, foyer des Hautes Roches. On va maintenant assister à une autre finale, c'est au tir au but. Alors, en quoi consiste cette Olympiade ? Alors, en quoi ça consiste ? C'est l'objectif premier, c'est de faire de la rencontre entre établissements, de la connaissance entre nous, parce qu'on habite sur un territoire assez restreint, sachant que Bousset est quand même à la limite entre le Maine-et-Loire et la Vendée. Et en fait, ça permet de nous connaître pour pouvoir mieux échanger et après, pourquoi pas monter des projets peut-être un peu plus ensemble et puis ne pas rester centré sur notre établissement. Et pour les sportifs ? Et pour les sportifs, bah, avec ce soleil, ça leur fait du bien. Tout le monde prend un peu de soleil. Et puis, c'est vraiment aussi pareil, dans l'idée de s'en rencontrer. Et puis, comme il y a d'autres établissements qui ont été invités et qui viennent en tant que spectateurs, c'est vraiment créer du lien avec tout le monde. Et puis, bah, après, il y a le côté sport avec une coupe à gagner quand même. Enfin, tout le monde va avoir sa coupe. Alors justement, cette convivialité, comment se passe-t-elle ? Ah bah là, pour l'instant, c'est même plutôt royal. Enfin, c'est un très très beau moment. Hier, on a vécu l'ouverture avec la présentation de la flamme, le défilé au drapeau. Enfin voilà, comme les JO à Rio le mois prochain. Et donc, au niveau épreuve, aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, au niveau épreuve, on a eu des épreuves avec le sport adapté de la Loire-Atlantique qui nous a proposé des épreuves. On a eu... on a eu des combats de sumo, on a eu des courses de relais, on a eu un jeu avec des flèches et il fallait viser une cible, voilà principalement. Et puis bah, demain le reste avec des jeux du drapeau, avec des jeux où tout le monde peut participer malgré le handicap. Enfin voilà, c'est vraiment adapté à tout le monde. Alors juste un petit peu comme ça, sans le dire trop à tout le monde, les projets inter-instituts, des petites idées déjà ? Bon, pour l'instant non. On est... Si quelqu'un pouvait reprendre les Olympiades pour qu'il y ait une continuité l'année prochaine, sinon peut-être qu'on refera, mais voilà, déjà, ça serait pas mal. Le grand gagnant de ces Olympiades est le multi-accueil de Valette. On marche bien.